Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Bienvenue à la troisième semaine de Every Bit Count Challenge. Cette semaine, seulement 5 jours de préservation. J'ai fait beaucoup plus, mais vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc j'ai pas voulu me répéter. Mais cette semaine, on s'occupe de nos patates, on fait des betteraves, nous faisons également des champignons et je m'occupe de remplir mon cabinet de médecine naturelle. On y va! Je vais commencer la semaine en préservant des patates. Donc, les patates que j'ai ramassées, la plupart ont été placées dans la cave pour l'instant pour faire sécher. Toutefois, j'avais environ un bon 12 livres de patates que soit étaient petites ou qui avaient des blessures dessus ou peu importe. Donc, j'ai décidé de tout les peler et je vais faire bouillir mes patates en ce moment pour faire des patates mâchées que je vais pouvoir placer au congélateur. Lorsque les patates sont terminées, j'attends qu'elles deviennent très froides. J'ajoute le beurre, le lait, sel et poivre et je les place dans des sacs pour les placer au congélateur. J'ai réussi cette journée à avoir 7 repas de patates mâchées plus notre souper du soir. En cette journée, j'ai décidé de faire des betteraves. Les betteraves sont les favorites à mon conjoint et également à mes parents. J'avais pas assez de betteraves au jardin pour préserver pour cet hiver. J'ai été dans une ferme près de chez moi et j'ai fait l'achat de betteraves. Premièrement, je vais tout simplement faire bouillir mes betteraves. Lorsque je peux rentrer ma fourchette à l'intérieur de chaque betterave, je vais les sortir, les placer sous l'eau froide et enlever la pelure. Par la suite, je vais tout simplement les placer dans un pot. Le mélange que je vais ajouter à mes betteraves est très simple, donc 2 tasses d'eau, 2 tasses de vinaigre et 1,5 tasse de sucre. Évidemment, j'ai dû doubler et même quadrupler la recette pour faire ceci. Par la suite, je vais tout simplement les faire bouillir pendant 10 minutes à l'eau bouillante. Le résultat des betteraves pour ce soir. Et j'ai essayé quelque chose. Donc, j'ai pris des fèves parce que je ne sais plus quoi faire avec mes fèves. J'ai pris des fèves puis je les ai encanées avec le jus de betterave. On va voir si c'est bon. Donc, après avoir déshydraté les betteraves, voici le résultat. Je vais en faire une petite poudre et ça va devenir du colorant naturel pour les aliments. Et c'est bien plaisant de pouvoir faire des crêpes ou des muffins à couleur rose et avec la nutrition des betteraves. Et voici ce que ça donne, une belle petite poudre. Vous pouvez l'utiliser dans des recettes. Ça goûte pas beaucoup et c'est super bon pour la santé. Et j'ai entendu dire qu'on peut également faire du maquillage avec ceci. Donc, j'essaierai peut-être d'en faire un jour. Bon, un autre projet. Donc, aujourd'hui, c'est les champignons. J'ai été au magasin aujourd'hui et j'ai trouvé une super de bonne aubaine sur les champignons et je ne pouvais pas le laisser passer. Donc, j'aime avoir des champignons frais, évidemment. Je ramasse beaucoup de champignons dans mon jardin que j'ai déjà planté et aussi en nature. Mais les champignons comme ceux-ci qu'on peut placer dans les repas, peu importe, j'aime aussi en avoir en canne. Donc, aujourd'hui, des champignons. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai tout simplement lavé mes champignons. Certains vous diront que ce n'est pas nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire. Donc, je les ai lavés et je vais les placer à bouillir pour 20 minutes. Donc, je vais tout simplement les placer à l'intérieur de mon chaudron. J'ai placé environ 20 de tasses d'eau. Je pense que je vais en avoir suffisamment. Donc, je vais faire bouillir mes champignons. Et lorsqu'ils seront prêts, je vais pouvoir les placer en canne. Donc, les champignons, on ne peut pas les faire juste à l'eau bouillante. On doit absolument utiliser la pression. Mais c'est quand même assez simple à faire. Et voilà, je vais rajouter un peu d'eau. Et voilà. Donc, je vais tout simplement les brasser et vous allez voir que ça va rapetisser énormément.
et que j'aurai amplement d'eau pour faire bouillir mes champignons. Donc, je vous reviens lorsque c'est prêt. Quand votre liquide est rendu brun, donc ceci, ça ne sera pas perdu. On pourra aussi encagner le liquide pour faire du bouillon de champignons qui fait une excellente crème de champignons. Donc, vous voyez, les champignons en ce moment ont rapetissé, ça a beaucoup descendu. Et j'attends qu'ils soient un peu plus cuits. Un autre 5 minutes. Donc, c'est terminé. Je vais tout simplement fermer le feu et placer mes champignons dans mes pots. Je vais aller chercher mon petit outil pour m'aider. Je l'ai. Donc, je vais remplir mes pots. Et vous allez voir que ça prend extrêmement beaucoup de champignons pour faire des pots. Donc, je vais remplir comme ça. Et certaines recettes vont vous dire de prendre de l'eau et ajouter de l'eau jusqu'à l'embouchure juste ici. Moi, je vais tout simplement prendre le bouillon. Je vais prendre le dessus du bouillon pour m'assurer que je n'ai pas de petite graine qui est en bas, là. Et c'est le bouillon que je vais placer à l'intérieur de ceci. Je vais utiliser la pression pour 45 minutes. Ceci, c'est 500 ml. Donc, je vais utiliser la pression 45 minutes à 10 livres de pression. Et ça sera terminé. Assurez-vous d'enlever les bulles à l'intérieur parce que il y a plusieurs bulles. Ah, c'est pas rose, c'est mon chandail qui fait la pression. Donc, on enlève les bulles. Assurez-vous que la nourriture, les légumes, sont juste en bas de la petite ligne et que votre niveau d'eau est juste ici, à l'embouchure. Je vais juste ajuster mon niveau. De liquide. Et voilà. Donc, on nettoie comme à l'habitude. Dans ce cas ici, vous n'êtes pas obligé de nettoyer avec du vinaigre, mais moi, je nettoie toujours avec du vinaigre. Ça me rassure. On va placer des nouveaux couverts. Et cuire à la pression pour 45 minutes à 10 livres de pression. Septembre arrive à grands pas et qui dit septembre dit entrée scolaire, les toux, les grippes, etc. Donc, j'ai décidé dans cette journée de bâtir mon cabinet de médicaments naturels à la maison. Je vais débuter avec du sirop pour la toux. Donc, vous allez commencer avec 60 ml de sirop d'érable ou de miel, 60 ml de cidre de pomme, 60 ml d'eau, une demi-cuillerée à thé de curcuma, une demi-cuillerée à thé de cannelle, une demi-cuillerée à thé de noix de muscade et une demi-cuillerée à thé de cardamome. Le prochain projet était un traitement pour enlever le mucus lorsqu'on est malade, donc un traitement à la vapeur. Donc, c'est tout simplement faire un thé, un mélange de thé, pour le faire bouillir et vous pouvez placer simplement votre visage en haut de la vapeur. Donc, j'ai utilisé du thym, de la menthe et également de la prêle et du gingembre. Donc, j'ai fait ce mélange et
voici le résultat. Donc, le prochain projet a été de nous faire différents thés. Donc, ceci, c'est du chaga que je suis en train de faire en ce moment. Et nous avons aussi un mélange de chaga, de menthe aux pommes et de cannelle que nous adorons à la maison. Donc, j'utilise ces petits sachets ici qui sont biodégradables, 100% naturels. C'est super simple à utiliser. Vous pouvez tout simplement prendre un fer à cheveux pour fermer votre petit sachet de thé et le tour est joué. Donc, je n'ai pas filmé à tout moment les différentes choses que j'ai faites, les différents thés, les différents produits, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, placez-la en commentaire et je pourrai en faire une vidéo. Et voici ce que j'ai réussi à faire. Donc, nous avons du traitement à la vapeur contre le mucus. Donc, lorsque nous sommes malades et que nous devons enlever le mucus, on peut faire un traitement à la vapeur avec ceci. Voici notre thé favori qui consiste de chaga, menthe aux pommes et cannelle. J'ai un beau pot de chaga juste ici avec du chaga en thé. Ceci, c'est de la crème pour à base de calendula. Et c'est pour mon psoriasis et aussi pour l'eczéma. Ceci, c'est une crème pour apaisante. Une crème apaisante, donc lorsqu'on a mal à un endroit, on peut utiliser ceci. J'ai fait 4 pots de lip balm pour ma fille parce qu'elle en a besoin beaucoup dans l'hiver. Du sirop pour la toux. Ici, nous avons un thé pour booster le système immunitaire, donc on peut le prendre avant même d'être malade. J'ai ici de l'huile de menthe poivrée. On a du thé pour les nausées ou les mal de ventre lorsqu'on ne se sent pas bien puis on pogne la gastro. On a également du thé pour l'anxiété, le thé pour notre foie et pour la respiration. Donc, nous avons tout ceci à ajouter à notre cabinet pour cet hiver. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit mercredi pour une prochaine vidéo.